Depuis que le droit d'avorter n'est plus garanti aux États-Unis, le nombre de grossesses de femmes victimes de viol a explosé. Le 24 juin 2022, la Cour suprême a annulé un texte qui garantissait depuis 1973 le droit à l'IVG. Dans la foulée, 14 États ont décidé d'interdire l'avortement, dans la plupart des cas, même en cas de viol. 18 mois plus tard, le résultat est là, selon le journal des associations médicales américaines. Du Dakota du Nord à la Louisiane, en passant par le Missouri, 65 000 femmes violées se sont retrouvées enceintes sans pouvoir avorter. Une dizaine d'États américains ont néanmoins choisi, eux, de faciliter l'accès à l'IVG. En Californie, à New York ou à Washington DC, les professionnels comme les patientes sont mieux protégés. Mais celles qui viendraient d'un état anti-IVG risquent la prison à leur retour chez elles. Aux États-Unis, le sujet divise. Il sera au cœur de la campagne présidentielle de 2024.